Bon, nous partons d'un graphique assez sommaire qui est effectué au crayon. Il s'agit d'une vue du port du Guilvinec. La particularité, c'est que le fond sera relativement sombre puisque nous avons deux coques de bateau avec la partie basse dans des tons de gris-noir. Quelques notes de couleur franche avec des rouges, quelques jaunes, et puis surtout se détachant sur ce fond assez sombre, deux goélands qui seront à base de blanc. Donc la particularité de ce croquis, c'est que j'y ai noté les couleurs vraiment de base, de façon à pouvoir partir sur à la fois un dessin relativement réaliste et aussi des couleurs existantes. Bon, ensuite, évidemment, la composition me conduira à prendre un petit peu de liberté par rapport à tout ça. Alors la phase suivante, c'est l'installation de la toile sur le chevalet. Donc la toile est grise, elle a été enduite avec un apprêt de ce type que j'ai mélangé avec de l'acrylique de couleur grise. Et donc ça permet d'avoir un fond coloré qui permettra d'éviter que tous les petits manques de couleur ne se voient. Le dessin est effectué donc au crayon blanc, puisque le fond est gris, d'après le graphique. Donc à ce stade, le graphique est suffisant et nous pourrons bientôt passer à la première phase des lavis avec les huiles fines.